Ça va pas facile. Pour planifier une belle retraite, j'ai essayé des choses jeunes. Il faut regarder comment on vit. Et j'ai vu ce que j'aimais. Il faut décider ce qui est important, ce qui ne l'est pas. J'ai fait une présélection des choses que j'aimais faire puis que j'aimais aussi faire longtemps. Garder ce qui est important. Surtout garder ce qui est important. Une retraite où tu es obligé de toujours avoir comme un agenda avec toi, moi, je dis que c'est une retraite réussie parce que tu as toujours quelque chose en avant de toi, tu as toujours un rêve, tu as toujours quelque chose à faire. La retraite, c'est le plus beau métier du monde.